crise de l'énergie a été fatale pour le site de Neuville-lès-Dieppe, spécialisé dans la fabrication de vannes industrielles pour les secteurs pétrolier et gazier. On a un gros secteur d'activité déployé sur la Russie. La crise du pétrole plus la crise russe ont eu des conséquences terribles sur notre chiffre d'affaires, puisqu'on a divisé pratiquement par 4 notre chiffre d'affaires en 2 ans. On a restructuré tant qu'on a pu, on a déployé des activités connexes quand on a pu, mais ça ne compense pas toute cette perte de chiffre d'affaires. La grande majorité des 28 salariés est inquiète pour son avenir, malgré les propositions de reclassement. Pour l'instant, ils nous proposent 1,5 mois de salaire. Donc pour nous, c'est vraiment trop peu. Si on retrouve un emploi, même en CDI, on ne sera jamais repris à notre taux horaire qu'on a ici, donc on aura forcément une perte d'argent. Le plan de sauvegarde de l'emploi est toujours en cours. Quant à la fermeture du site, elle est prévue pour le mois d'octobre.